Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera postée normalement très proche de celle d'avant. Simplement parce que ce week-end je suis pas chez moi, donc du coup il faut que je vous propose quand même des gameplays. Donc voilà, et je vous ai dit que je vous parlerai donc justement de cette fameuse carte que je vais vous montrer. Et donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo de zombie, c'est donc la carte de Minecraft Zephyr qui permet des constructions plus aisées en créatif sur un monde. Voilà, tout simplement bénéficier par ceci qui en fait sont plein de boutons reliés à des commandes blocs où il est conseillé de mettre des coordonnées. Donc par exemple, vous savez construire un endroit, vous mettez la coordonnée là-dedans, comme ça vous pouvez directement y aller. Ici, des blocs pour que l'accès soit plus facile. Bon, moi ça marche pas, mais logiquement vous cliquez sur votre molette en fait et ça vous les mettez directement dans l'inventaire. Donc moi ça marche pas, hein, hélas. Donc voilà, ici pareil pour les blocs de pression, ici pour les divers blocs qui sont inaccessibles, donc même en créatif. Donc les œufs, les portails, command blocks, encore des portails, spawner, ça facilement aussi pour prendre les rails avec la molette. Ici pour afficher ou pas les commandes, enfin voilà, des trucs comme ça. La vidéo va pas être longue, hein, je pense que moins de 5 minutes. Ainsi que le temps, donc pour, là pour l'instant c'est toujours réglé pour le jour et pas de nuit et pas de pluie, comme ça c'est pratique. Encore pour les choper facilement. Ça, c'est ce que je vous ai montré, c'est pour aller au-dessus de la map et retomber dessus. Ça envoie bien aux alentours. Hop. Ici, c'est des genres de bloc-notes en fait. C'est-à-dire que si vous avez une idée, que vous, au lieu de l'oublier, vous la notez sur une feuille comme moi je fais, vous mettez la clé, vous cliquez, vous remplacez ici par une pancarte et vous marquez votre idée. Comme ça, quand vous revenez, vous l'avez. Donc, idée, truc à faire, genre je sais pas moi, finir machin, machin, machin. Et ici, alors j'ai pas touché à la map, hein, donc. Des sites que vous aimez bien si vous avez envie. Voilà, là, ça vous donne des diamants pour ceci. Mais bon, bref. Et en gros, je vais ici sur cette map pour vous demander de la télécharger. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce que je vais vous faire. Alors, comme vous le savez, j'ai fait une CD sable sur ma chaîne. Et je compte réitérer cette série sous le compte d'un autre nom et remanier le concept un peu différemment. Je vous en dis pas trop non plus pour l'instant, je vous annonce juste qu'il y aura une série comme ça. Dites-moi, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si une série comme ça vous plairait. Surtout que peut-être je serai joueur, donc tout dépend de ce que vous voulez. Et donc ça s'appellerait plutôt, donc ça c'est pour l'instant mon premier projet de nom, hein, donc peut-être pas sûr du tout, Néo-Athènes au temple des dieux. Donc voilà. Et comme vous l'avez deviné au nom, Néo-Athènes, c'est-à-dire Nouvelle Athènes on va dire, et j'ai essayé de construire un truc pour vous montrer. Donc je vous conseille, en fait ce que je vais vous demander c'est de télécharger la map si vous êtes intéressé pour devenir constructeur. Après vous me faites parvenir la map et je regarderai justement vos quelques projets architecturaux, vos talents, etc. Sachant que, par exemple, je sais pas, si vous construisez un truc du style d'un peu des arènes d'Hypixel, je veux dire que je suis plutôt fan, donc bon, je dis ça comme ça. Hein. Donc bref, et vu que c'est le Néo-Athènes, la matière, on va dire, favorite, sera plutôt le quartz. Donc je vais vous montrer, j'ai fait un petit essai tout à l'heure. Bon, je suis pas très bon d'architecture, mais bon. Hop, je vole pour pas tomber. Oups. Allez, allez, voilà. Donc c'est juste un petit essai que j'ai fait assez loin, comme ça. Et donc je vous montrerai sur ma chaîne, peut-être, si vous voulez bien, les constructions que vous avez faites. Et puis je sélectionnerai bien sûr les constructeurs. Donc voilà, j'ai fait juste un petit genre, de spawn. Voilà, avec deux grandes entrées, des plus petites, avec un genre de carrelage en bois. Donc voilà, là c'est vraiment très très blanc. Hein. Donc, mais j'aime bien. Voilà. C'est juste pour vous faire une petite démo. Voilà, pour vous montrer, voilà, vous construisez quelque chose, même loin, je sais pas, enfin, mais par contre, faut vous indiquer sur les commandes blocs où sont vos constructions et que je puisse y aller. Voilà, c'est tout. Donc, j'espère que ça vous plaira, que, n'hésitez pas à mettre un pouce vert à cette vidéo-là pour me, tout simplement encourager dans ce projet.
N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en pensez. Si vous désirez être constructeur, bah, téléchargez la map. J'ai oublié quelques trucs ici. Hop. Téléchargez la map. Faites des petits essais et dès que vous sentez que vous avez construit quelques trucs sympas et que vous voulez me proposer donc vos constructions pour être constructeur, eh bien envoyez-moi la map et j'étudierai ça plus précisément. Donc voilà, pour l'instant j'attends vos retours pour continuer sur ce projet-là. Donc j'espère que ça vous a plu. Parlez-en autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui construit mieux, imaginez, je sais pas, vous n'êtes pas très loin en construction, mais vous connaissez quelqu'un qui est assez fort, n'hésitez pas à lui proposer, etc. Donc voilà, allez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et bon week-end à tous.